Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Cube World. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de région, j'ai même fait beaucoup de routes, hein. J'ai traversé pratiquement la moitié de la région pour rejoindre la ville et pouvoir espérer m'équiper en termes d'achat, hein. Je vais acheter mes trucs. Bon, j'ai pas trop regardé la zone, j'ai regardé 2-3 trucs, regardez, la zone est très très belle, hein. Mais il faut vraiment pas commencer dedans, parce qu'avec le nombre de djinns qui spawnent bizarrement autour des points de des shrines de vie, des hôtels de vie, honnêtement, c'est dangereux. C'est tous des jaunes, hein, je rappelle, à 1200 PV. Je sais pas comment j'aurais pu me looter mon stuff dans cette région, j'ai pas vu un seul événement sur la route. Qui est ça? What? Y'a des gens pétrifiés? What? Ah non, pas les vendeurs. Non. Non. Bon, une journée plus tard, j'ai pu me crafter un petit peu d'équipement. Il est déjà 14h30. Une journée plus tard dans le jeu, bien sûr. Pensez bien à l'équipement, vous voyez, regardez, j'ai pu crafter de l'équipement plus, bon. Ah non, même pas. Non, c'est là, voilà. En plus, ici. Donc, profitez-en tant que vous pouvez, même s'il est blanc, j'ai un tout petit peu d'équipement. Il est pas de qualité géniale, les vendeurs ne vendent rien de génial. Alors, on va parler un peu de la zone. Bon, alors déjà, voilà. Ah ouais, ah ouais. Comprenez pourquoi je dis plus d'une journée. On va aller voir ce qu'il y a là, mais pas tout de suite, hein, c'est quand on aura tombé. Alors, on va parler de la zone, je disais. Il y a plein de choses, et surtout, vous allez voir par endroit, j'ai bourré les étoiles, on le voit pas, voilà, par exemple, ici, j'ai bourré les étoiles, un peu plus loin aussi. Parce que là, là, il y a littéralement 1, 2, 3 blocs de diamants, de fer, il y a du chier de fer dans cette zone, c'est génial. Si vous voulez farmer, je pense que c'est potentiellement la meilleure zone de farm. En dehors de ça, oui, parce que là, là, bien sûr, là, ce n'est pas du tout une ville. Et là, je croyais que c'était une ville où je pouvais aller, c'est une ville dans la région d'à côté. Voilà pourquoi il y a une journée d'écart en termes de temps dans cette vidéo. Donc ça pue vraiment du cul, hein, faut le dire. Donc, en dehors de ça, bah, écoutez, les ennemis ont l'air d'être beaucoup plus durs, vu qu'il y a beaucoup plus de jaune dans la région, il y a un camp, là, c'est infaisable. Là c'est fermé, ce truc là c'est fermé. Là c'est du démon, j'ai pas vu le niveau. Tiens, on va aller voir là-bas. Et là-bas il y a l'air d'y avoir un portail, mais je sais pas si je vais mourir dedans. Les rares events que j'ai croisés avec des PNJ. Voilà, c'est un canyon, c'est génial. C'est un putain de canyon. Oh putain. Peut-être des informations. Les rares events que j'ai creusés avec les PNJ ne faisaient pas de dégâts du tout. Bon, ça c'était attentionnel, hein, on savait que ça allait finir comme ça. Vous voyez, vous pouvez voir en bas à droite tout le fer que j'ai pu farmer. Non, c'est derrière moi, tout le fer que j'ai pu farmer. Et... j'adore la nature. Ok, et vous n'avez pas me donné la moindre information. Voilà. Ouais, elles sont violettes, hein, t'as vu ça, hein, mais elles sont pas de qualité violette dans la région. Génial. Donc ouais, je suis un petit peu... triste. Je sens que cette région va être très très dure. Et je vois qu'elle ne va pas en s'arrangeant. Ils sont tous paqués. Pourquoi tu... Voilà. Ok. Alors le problème, c'est que ce que j'ai tué en grande partie, ce sont des imps. Les imps qui repop. On va en chier. Oh, on va en chier. Allez. Faut que j'arrive à buter un ou deux...
Mage au passage. On s'en sort. Étrangement. On s'en sort. Et moi apparemment il y a un problème avec mon chien. Allez voir. Je crois que j'aurais fini cet event. Un problème pas grave, vous rassurez-vous. Juste qu'il est apparemment il est à moitié con. Ils sont attaqués à ma bestiole, ils ont tué ma bestiole. Oh, est-ce que c'est un signe? Cet événement est pas ultra compliqué, j'espère qu'il va tomber quand même du stuff de qualité verte et pas que du blanc. Ah, allez, voilà, un petit peu de vert, cool. Oh. Je vais pouvoir faire des dégâts. Ouh. Je ne vois point d'ennemis. Alors peut-être tout simplement quelque chose de déposé au sol. Oh, déposé au sol là-dedans, mais ce serait terrible. Ah bah. En fait, non, c'est pas si terrible. Ouais, j'ai le bateau. Ah, le coup de bol. Bon, bah, je peux rejoindre l'île plus simplement maintenant, en tout cas. Et beaucoup de lore, en tout cas, dans cet événement. C'est intéressant. J'ai pas vérifié si dans l'autre que j'avais déjà fait, cette région semblable, s'il y avait tout autant de lore ou pas. Finalement, ce bateau est très utile. Hop là, qu'est-ce qu'il y a par là? Juste une tombe. D'accord. Et surtout, il y a là-bas quelque chose qui m'intrigue. On dirait littéralement une île remplie de menhirs. Serait-ce la Bretagne ? Terre en vue ! Il y a des ennemis ou quoi ? J'ai vu quelque chose là-bas. Ouh, je le sens pas. Il y a 5000 PV. Je savais déjà ça. Ouh, j'ai du bol. Je voulais juste l'écarter de... Le Rocket Punch. Mes potions. On va en avoir besoin. Oh là là, le combat va être long. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Tu mourras pas, te dis-je. Oh là là, ça va être dur. Oh, ouais, bon bah c'est pas la peine pour tout de suite, hein. Mais regardez ça, eux ils ont 1500, lui il a 13K. Qu'est-ce que vous voulez que je tue dans cette région pour looter? Y'a rien. Alors là, y'a une sorcière avec... Regardez, elle a grossement affiché, hein, sur la carte. Et du coup, elle a combien de PV? 2000, ah. C'est faisable, hein. Si elle descend, c'est faisable. Genel. Genel, c'est pas comment te le dire, je sens que tu vas me foutre en l'air et me détruire. Quoi t'es... C'est toi qui est rentré? Oh, c'est juste pour grimper, hein. Je crois qu'il faut falloir les dernières secondes, il faut falloir que je les... C'est que j'ai peur qu'elle m'agresse si je rentre dans sa maison. Reste par là-bas, moi je vais grimper par là. Ça je peux gérer quand est-ce que je t'agresse. Allez, oui c'est bon, oh là là c'était... Je crois que... Elle a comme un doute. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui est pas censé être là. Non! Pourquoi je me suis envolé? Allez! Oui! Allez des 7 sorcières! En plus, c'était elle qui...
Elle m'a mis tellement cher là. Allez. Allez, décède. Allez. Non. Ouh. Elle m'a donné du bleu. Bon, j'ai un équipement. Elle lâche trois équipements, j'en ai qu'un qui est super intéressant pour moi, quoi. Bon. N'empêche qu'elle est affrontée avec un peu de bol. Avec un peu de bol. Elle a, du coup, dépétrifié le village. Et en plus, c'est rigolo, quoi. C'est comique. Regardez, il y a la forêt bizarre, là. Il y a les ennemis droit devant qui ont moult PV. Et il y a un truc qui pop, genre, la vie. La vie est loin de toi. Mais je te la montre. Pour que tu puisses savoir à quel point tu vas souffrir. Alors, m'attendez pas à ce genre de forêt, hein, à vrai dire, hein, mais... Forêt de baobab violet. Tu veux, hein. On va commencer par aller chercher la vie, quand même. Hein, je le sens pas. C'est con, parce qu'elle est stylée, cette épée, en vrai. C'est des slimes à 400 PV, quoi. C'est pas de la petite slime de... Hein. On va essayer. Des sirènes. Ben oui, il manquait plus que ça. Pas venu ici pour souffrir, ok. Allez, grimpe. Oh putain. Et c'est bon. C'est pas un hôtel de vie. Oh merde. Je vais en chier. Ah, j'ai 140% de connaissances. Ça veut dire quoi? Que je connais leur avenir? Aïe. Toi! Tu es où? Fut un temps où je vous frappais comme ça et vous mouriez. Pourquoi t'es pas... Oh putain, elle est solide. C'est une petite slime. Ouh! Ouh! Des leftovers! Ouh! Tu te fais des dégâts ou... Oui. Ok, ça va être... Ça va être tendu. Garde l'aggro, garde l'aggro, garde l'aggro. Il a pas gardé l'aggro. Enfoiré. Le boss, il est apparu ou pas? Non. Le boss, je vais pas pouvoir l'affronter. Mais gardez l'aggro, mon dieu. Allez. Je veux t'aider, hein, mais... Crois-moi, j'en ai envie, hein. J'ai sincèrement envie de t'aider. Genre vraiment. J'ai vraiment envie de t'aider, hein. Je fais ce que je peux, hein. Franchement, je me bats comme un damné, quoi. Il va vraiment falloir que vous soyez utiles, les mecs, hein. Parce que je suis vraiment faible. Oh, c'est joli, ça, par contre. Par contre, ils ont l'air de tomber énormément de stuff. Enfin, c'est une impression que j'ai, hein, mais... Allez. Allez. J'ai pas déjà eu la mixte salade. Et je t'aide déjà du mieux que je peux, mon ami. Je t'aide déjà du mieux que je peux. J'aurais déjà qu'un pauvre... Si le boss me tue, je peux revenir. À la limite, le jeu est plus trépidant à ce niveau-là que... Il est en pause, il attend que je finisse de... Non, ils l'ont tué. Bande d'enfoirés. Vous avez buté Kenny.
Ça sent que je regarde South Park ou pas? Non. Ouh! Un deuxième anneau pour les gouverner tous! Oui! Je dis oui! Je l'ai projeté si haut dans le ciel qu'il est rentré dans l'arbre. Mon cul, oui. Il meurt. Allez. Allez. Ouh. Putain, mais il drop du bleu, quoi. Bon, ils m'ont droppé tous les deux, des bottes, mais pas, il n'y a qu'une seule paire pour moi. Tu peux la récupérer, merci. Wouh! Nice! Je m'équipe en bleu. Pourquoi pas? Ça change. C'est tout. Oh! Cette déception. Bon, par contre, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une épée bleue, hein, ou... plus d'armure bleue, mais... c'est mieux que rien! Allez! C'est la slime solitaire qui ne veut pas mourir. Le boss est apparu. Et il se fait agresser par des alliés. Oui! Alors là, faut surtout pas gaspiller le Rockfist. Hein. Et merde. Je crois que je suis poursuivi par quelque chose. Je suis pas encore de tout à fait sûr de quoi, mais... je crois qu'il y a une probabilité que ce soit le cas. La vache. Ouais. Ah oui, il est vénère. Ah ouais. Ah ouais, il est chaud patate, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils vont me le garder au frais. C'est-à-dire que, vous voyez, le peu de dégâts que je lui ai mis... va perdurer le temps que le petit PNJ invincible ne meure pas. Par exemple, il aurait pu me drop. Je sais pas moi. Lâche-moi la grappe! Faut pas que j'aspire de potions. Là, je gaspille mes potions. Ça sert à rien. Ah, j'en ai fait que 300 dégâts, quoi. Allez, cette fois-ci. Tiens. Oh, y a tellement plus d'armure que je n'en aurai jamais dans cette partie, j'ai l'impression. Dans cette map. Oui! Allez! Allez! Je l'ai pas eu encore. Hein. Allez! Allez! Allez, déclenche la furie! Voilà! C'est ça qui est bon, t'as compris. Allez. C'est bon. On s'en sort. Allez. Il veut pas là. Hein. Il veut pas choir. Il est en train de m'avoir. Il va m'avoir. Bon, on lui a mis gros dégâts sur cette petite phase, on va dire, mais putain, c'est dur. Il en a encore après moi.
J'ai récupéré l'aggro que j'avais, quoi. Allez! Les deux tirs sont faits. Allez! Je gaspille plus mon mana. Nice! Faut que je comprenne comment fonctionne la mécanique des knockdowns. Est-ce que c'est juste. Ah, c'est mon pet qui avait l'aggro. Est-ce que c'est temporisé par exemple? Parce que ça peut arriver qu'une fois toutes les 5 ou 10 secondes. Ah! Allez! On va presque l'avoir. On va l'avoir. Si ça pouvait me lâcher du jaune, oh, ce serait magique. Allez, tombe! Il va me la remettre. Il a pas voulu chuter là. En plus, comme il est en hauteur, je le touche moins, je pense. C'est bon, au moins il est retombé. Allez! Il veut pas retomber, il veut pas re-knockdown en fait, il veut pas être KO. C'est chiant! Je vais t'apprendre moi! Pourquoi ça t'a pas? J'ai fait le combo de la mort normalement, c'est censé t'avoir tué! Ou en tout cas mis KO! Voilà! Voilà! Oh putain, du une main. Du rogue. Oh, du une main. Bon. Dans mon malheur. Regardez. En malheur, j'avais tombé ça. Ce qui veut dire que si je l'équipe avec ça, normalement, je fais un peu plus de dégâts. Je fais un peu plus de dégâts. Ok, c'est un début. Bon, en vrai, il y a quand même 95 bonnes pourcents de chance qu'on va mourir. Hein. Bon pourcent. Faut le reconnaître au bout d'un moment. Faisable. Pour l'instant, c'est pas faisable. Cependant, avec ce qu'on a droppé, je vais rentrer à mon village. Hein. Au pays, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont crafté du violet. Bon, il y a des gens autour. Est-ce que j'ai eu raison de croire qu'en tuant la sorcière, ils n'étaient plus pétrifiés? Est-ce que c'était une référence? Si vous voyez la référence, donnez-la dans les coms. Alors, par qui on commence? Le vendeur d'armes. Pour ce qu'il va me donner, hein, ça va pas être terrible, mais... Vu que j'ai pas encore sauvé de gnome. Ah, c'était là. Oui, ils sont saufs. Ah, nice. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. En tout cas, de mes vies. Peut-être que tu vas pouvoir me vendre de l'armure de qualité. De qualité moisie, effectivement. Oui, je pensais pas que ce serait le cas, mais écoute, merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là, parce que là, moi, j'ai passé à peu près 1h30, 2h hein, sur cet épisode. Faut savoir que j'ai fini la région avant. L'autre... Enfin, j'ai essayé de finir l'autre région, de trouver ce qu'il y avait dans la région précédente. Donc, ouais, non, là, j'en peux plus. Les échecs, là, la difficulté du jeu me rebute un peu pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Merci de l'avoir suivi, donnez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer au niveau de la vidéo, au niveau du jeu aussi, de ce que je fais dans le jeu. Likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait, et moi je vous retrouve demain quoi qu'il arrive. Salut les gens, et yo!